Au Burkina, un conseil de ministres tenu jeudi a donné quelques détails sur une tentative de déstabilisation des institutions de l'État. Le ministre des Armées, Barthélémy Saint-Pourré, a indiqué que pour les besoins de l'enquête, des personnes civiles et militaires ont été mises en observation. Depuis lundi, elles seraient au moins une quinzaine à avoir été interpellées, dont 2 officiers et 7 sous-officiers. Cette action judiciaire qui a été décidée par le procureur militaire fait suite à une dénonciation d'un militaire qui aurait été contacté par un groupe d'individus pour rejoindre le groupe, pour mener des actions de déstabilisation contre les institutions. Cette tentative de déstabilisation des institutions aurait eu lieu le 27 novembre 2021. Et à l'issue des premières auditions, 3 personnes ont été relaxées, dont 2 civils et 1 militaire. Donc ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore 12 qui sont toujours en détention préventive pour les besoins de l'enquête. Ce même 27 novembre 2021, des centaines de Burkinabés étaient descendus dans les rues pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à endiguer la violence terroriste.